ça, vous me direz, ça peut être une coïncidence. D'accord, coïncidence ou coïncidence. La foi naît de ce qu'on entend, la foi naît de ce qu'on voit. Je démarre cette activité dont je vous parle. Et puis mon premier voyage, il m'est offert par celui qui me permet de découvrir cette activité. Et nous nous retrouvons à Abuja. Premier voyage. Abuja pour un rassemblement africain. Nous arrivons donc à ce voyage-là. Et je fais la connaissance pour la première fois de ce que nous allons appeler mon arrière-grand-parrain, qui était à l'époque l'un des meilleurs de l'Afrique. Et nous faisons ce voyage. Je vais découvrir la grandeur de cette entreprise. Des chèques sont distribués et mon grand-parrain se fait décorer au grade de manager saphir. Pour l'entreprise dans laquelle je me trouve, c'est un grade important. C'est un grade recherché. Je venais à peine de commencer l'activité, il y avait jusqu'à moi, et puis bon, on m'a offert le voyage. Il descend du podium et il me dit, je lis en toi un saphir. Il enlève son bandeau, je vous dis que c'est des bandeaux qui se méritent, et il me le fait porter. Il me dit, je suis convaincu que tu seras sa fille. Après donc cette cérémonie, quand on finit, le parrain de mon parrain vient me voir et dit, oui Augustin, je t'ai pas connu, tu viens de faire 4 mois et en 4 mois tu as gravi des échelons, c'est exceptionnel. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux t'offrir. Il met sa main dans sa poche et il me sort sa carte d'hôtel pour le premier voyage qu'il a eu à effectuer avec cette entreprise qui était appelée à l'époque le Rallye Inter, où on te permettait de faire le post-rallye, où l'entreprise te prenait en compte pendant plusieurs jours, où tu visitais l'Amérique de long en large, les usines, les champs et tout ça. Et puis on vous faisait passer dans les meilleurs hôtels jusqu'à ce que vous allez à Las Vegas et vous êtes logé au César Palace. Et donc la carte qu'il avait, la carte de sa chambre d'hôtel, c'était la carte de César Palace. Il me dit, tu viens de démarrer cette entreprise, voici la clé de ma chambre. Je suis sûr que tu te battras pour atteindre les objectifs. Et cette entreprise t'offrira toi aussi. Cela pour que tu puisses aller vivre exactement ce qu'on a vécu. Eh bien, je reçois ce présent de mon parrain. Et comme je vous le disais au début, la visualisation c'est l'un de mes forts. La foi naît de ce qu'on entend, la foi naît de ce qu'on voit. Je prendrai content le souhait de mon grand-parrain de me voir un jour saphir, manager saphir dans cette entreprise. Mais aussi, je croirai à ce que mon grand-parrain me disait en me demandant de prendre sa carte et qu'il pense que je pourrais réaliser ce qu'il faut pour qu'à mon tour, cette entreprise m'offre ses vacances, ses plus belles vacances, les uniques. Dès que nous retournons donc à Abidjan, la photo de mon parrain, mon grand-parrain, me mettant le bandeau de manager saphir au cou, je vais prendre cette photo, le placarder dans ma chambre, et chaque matin, quand je me réveille, je me dis que je me battrai et je serai moi-même sa fille comme il a souhaité. Mais le pas le plus immédiat, c'était d'atteindre des niveaux qui me permettaient d'avoir gratuitement des vacances et de me retrouver aussi à Las Vegas, la ville lumière. Qui plus est, ces 2 billets d'avion qui sont offerts. Nous allons nous mettre. La carte de mon parrain, la carte de sa chambre, ne va plus jamais quitter ma bouche. Je serai parmi mes papiers, mes documents. Chaque matin, quand je devrais prendre une pièce d'identité ou que je dois sortir quelque chose de ma poche, la première chose que je vois, c'est la carte de la chambre d'hôtel de mon parrain. La chambre de Las Vegas. Du César Palace. J'y croyais. Nous allons continuer par travailler. Les années vont se suivre. Et puis en 2000,
2012, on nous dira que l'entreprise doit passer à une autre forme de challenge qui est appelée le Global Rally. Autrefois, il y avait le rallye africain, c'est-à-dire il y avait des rallyes continentaux, des rallyes européens, rallyes asiatiques, rallyes africains. Mais désormais, à partir de 2013, il y aura le rallye global. Donc, on n'aura plus de rallye continentaux, mais on choisira un continent où tout le monde s'y rendrait. Et ça s'appellera donc le rallye global. Et le prochain rallye, donc, se tiendra en 2013 à Hawaï. Nous étions en début 2012. Mais on nous disait que pour la fin, donc, 2012 va connaître le dernier super rallye. Donc, le rallye qui permettait aux gens, après leur qualification, après avoir bouclé leur chiffre d'affaires, chez nous on parle d'un jargon, on parle de CC, de 1500 CC, tu obtenais en plus du voyage que tu faisais environ 5 jours, tu avais 6 autres jours ou 7 jours pour visiter toute l'Amérique, plusieurs États, aller visiter les usines, les champs, côtoyer les meilleurs de ce monde. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et le dernier donc devait se passer en 2012. On ne parlera plus donc de Super Rally. On ne parlera plus donc de post-rally. C'est-à-dire après le rallye, ce voyage-là qui est fait. Ça veut dire que c'était la dernière année où, si je devais un jour me retrouver à Las Vegas grâce à cette entreprise, je devais le faire. Mais je vous ai dit que tous les jours que tu fais, j'ai en ligne de mire quoi? L'image de ma qualification s'affirme un jour. Mais tous les jours que Dieu fait, j'ai dans ma poche la carte de cette salle, de la chambre d'hôtel de mon grand-parrain, du César Palace. Quel intéressement! J'y croyais. La foi naît de ce qu'on voit, de ce qu'on entend aussi. Quand on y croit et qu'on mène les actions qu'il faut, le cosmos tout entier se plie à tes pieds. Tes ennemis même contribuent à ton ascension. L'année finie, 1500 points caisse demandés. Votre serviteur va se retrouver à plus de 1650. Qualifié donc pour faire le dernier rallye. Qualifié donc pour faire le dernier post-rallye. Le rallye se tenait à Phoenix, aux États-Unis. Nous arrivons à Phoenix, mon épouse et moi, on vit donc ce rallye-là. Je suis fier puisque c'est la première fois que je me qualifie pour vivre donc ce rallye inter. Nous finissons le rallye inter. Hawaï est annoncé et on disait que nous partons pour le global. Et puis on dit, c'est les derniers donc qui vont faire le post-rallye. Après le rallye, nous recevons des présentus à notre rang. Mon épouse et moi et quelques amis de la Côte d'Ivoire, qualifiés parmi d'innombrables Africains et d'autres personnes venues de tout le monde entier pour faire le post-rallye. Ce post-rallye va être l'un des voyages les plus merveilleux de ma vie. Avec mon épouse, nous allons traverser les États-Unis de long en large. Nous allons visiter le Grand Canyon. Ah oui, c'est merveilleux. Oui, nous allons traverser le Grand Canyon sur des bateaux. Notre entreprise a la plus grande flotte de bateaux de plaisance au monde. Je vais me voir au volant, donc d'une pétrolette, mon épouse derrière, en train de vivre, en train de conduire. Oui, dans le Grand Canyon. Faire cette descente du Grand Canyon était quelque chose d'exceptionnel. Nous avons vécu des choses que je ne peux pas imaginer. Et puis, destination Las Vegas. Nous atteignons Las Vegas au coucher du soleil. Puis lumière devant nous dresser comme si le jour venait de se lever. La direction était où? César Palace. J'étais avec mon épouse. On nous avait dit de laisser nos bagages dans le car. Un guide nous conduirait dans notre chambre d'hôtel. Et nous sommes retrouvés au César Palace, au 77e étage, à la chambre 77. Ah oui,
de cette chambre au 77e. De cette chambre au 77e, aussitôt nous avons ouvert les portes. Que je vis sur l'écran de la télévision le nom de mon épouse, des filles de bienvenue, Justine Aizano et Augustin Paquiti. Waouh! Waouh! Et nos bagages nous attendaient. Les bagages avaient retrouvé même les chambres avant nous. Allez voir à quoi ça ressemble, le César Palace. J'ai connu beaucoup d'hôtels 5 étoiles, mais le César Palace est unique. Ah oui, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, nous avons vécu cela et c'était grand, c'était beau. On a vécu les plus beaux moments de notre vie de couple. Et par la suite, nous sommes partis à Dallas